jeune enfant, sans le savoir, écrivait l'histoire. Un jour, dans une grotte mystérieuse, il vit une lampe merveilleuse. Allez, c'est où, petit ? Qu'est-ce qui va passer ? Pourquoi ? Attention ! Voilà ! Ça m'ira bien. Et voilà. Tiens. Malheur! Malheur! Hein? Hein? Au malheur! Au malheur! Au malheur! Ah! Ah! On vient ici tout de suite! Ça a l'air drôlement bon, je peux en avoir. Attends, une minute. Mais qu'est-ce que vous faites? Merci. Merci. Alors! C'est d'autant meilleur qu'on n'a rien payé. J'ai toujours dit que c'était la meilleure façon de faire son marché. Faudra qu'on trouve un moyen de rembourser le pauvre vieux marchand un jour ou l'autre. Ah, et comment veux-tu qu'on fasse? Il n'y a pas un nous qui a de l'argent, on peut pas le payer. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, Aladin? T'en veux pas ou quoi? J'aime pas trop ça, allez-y, mangez ma part. C'est drôle de manger gratuitement, non? Maman, je meurs de faim. Oh, tu peux attendre 5 minutes. J'ai presque terminé. Il faut que je finisse et que je le porte à la boutique. Ils vont me donner de l'argent. T'as quand même pas besoin de cet argent pour acheter du pain. Mais mon pauvre chéri, il nous reste absolument plus rien. Oh. J'ai vendu tout ce qui pouvait être vendu. Si seulement tu pouvais trouver un travail, ça nous aiderait bien. Oh, je sais. Et si seulement ton père était encore vivant, lui au moins il t'aurait appris le métier de tailleur. Il n'y avait pas plus adroit que lui. Quel dommage. Maman, malheureusement, il n'est plus là. Tu traînes dans les rues à longueur de journée. Tu ne peux rien trouver de plus intéressant. J'essaie de savoir ce que je pourrais faire. Mais je n'ai pas encore trouvé. Au revoir, allez.
tu nous as dit. J'ai failli faire le grand plongeon. Petit voyou, qu'est-ce que vous faites là? Sauf qu'il peut! Ah, cours vite! Attends une petite seconde, j'ai à te parler. Hein? Vous voulez me parler? Voilà, monsieur. Regarde à l'intérieur. Oh! Des pièces d'argent. Est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose qui me tient à cœur? Vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Tu verras, ce n'est pas compliqué. Nous allons faire un tour dans le désert et nous rapporterons un objet. Dans le désert? Je suis encore jamais sorti de la ville. Et on dit que c'est dangereux d'aller dans le désert. Si tu acceptes de m'aider, je te donnerai toutes les pièces d'argent que tu as vues. Toutes les pièces d'argent? C'est peut-être pas si dangereux que ça, le désert, après tout. Bon, d'accord, je vais vous aider, mais d'abord, faut que je porte l'argent à maman. Non, nous partons tout de suite. Hein? Ne t'inquiète pas, on n'en a pas pour longtemps, tu seras rentré chez toi avant la tombée de la nuit. Un peu plus vite à ton âge. Je fais ce que je peux, moi. Ça fait déjà 2 heures que je cours sans m'arrêter. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Accélère un peu, s'il te plaît. Tu es jeune, toi. S'il vous plaît, faut que je m'arrête. Non, il faut se dépêcher. Mais j'en peux plus, moi. Mon pauvre Aladdin, je te croyais plus rapide. Allez, dépêche-toi. Allons, debout. Allons, un peu d'air. Ça. Voilà, nous y sommes. Je l'ai enfin trouvé. Ça fait des années que je cherche désespérément cet endroit. J'ai cru que je ne réussirais jamais. Ah. Aladdin, maintenant, mon garçon, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Allons, apporte-moi ma lampe à huile. Ah, bien. Maintenant, attache le cheval à cet arbre. Attache-le bien. Mais oui. Voilà, c'est fait. À toi de jouer maintenant, Aladdin. Oh. Et alors, qu'est-ce que tu as? Oh.
Ce n'est pas le moment de faire la sieste. Debout, oh. Petit vaurien. Je comprends pas, vous êtes magicien. Ça ne te regarde pas, ne t'occupe pas de ça. Tout ce que je te demande de faire, c'est de descendre dans cette grotte et de me rapporter une vieille lampe à huile. Une lampe à huile? C'est ça. C'est une vieille lampe que je cherche depuis des années et des années. J'ai enfin découvert qu'elle reposait tout bêtement au fond de cette grotte. Pourquoi vous descendez pas la chercher vous-même? Si cela était possible, je ne t'aurais pas demandé de venir, petit imbécile. Un magicien comme moi n'a pas le droit d'entrer dans cette caverne. Alors j'ai cherché un garçon digne de confiance et je t'ai choisi. Voilà, c'est là l'entrée de la grotte. Abracadabra, catumadra, dollara, ratabadra. Maintenant, tu peux y aller. Mais... Je t'en prie, on a assez perdu de temps comme ça. Une petite seconde. Prends ceci et descends. Mais qu'est-ce que c'est? Ça te préservera des dangers qui te guettent dans les ténèbres. Cette petite bague? N'aie pas peur, tu es protégé maintenant. Bon, d'accord, j'y vais. Ah, et pas la peine de t'arrêter en chemin inutilement. Tu trouveras la lampe dans la salle aux 1000 lueurs. Tu ne peux pas te tromper, ce sera la lampe la plus vieille et la plus sale. C'est en pierre, ça peut pas me faire peur. C'est ridicule. Tiens, une porte. Au fond d'une grotte. Oh, c'est incroyable. Eh bien, on n'y voit pas grand-chose. Ça doit être ça, la salle aux 1000 lueurs. Toutes les lampes sont différentes. Je ne sais pas laquelle je dois prendre. C'est vrai, il a dit qu'elle était ancienne et poussiéreuse. Oh, ça doit être celle-là. Pas de problème, c'est sûrement celle-là. J'ai pas le choix, de toute façon, c'est de loin la lampe la plus sale. Bon, on y va. Des lumières? Bon, il faut que je rentre. Mais avant, je vais goûter à ces fruits. Ils ont l'air drôlement bons. Je vais me régaler. Incroyable, ce sont des fruits artificiels. J'en rapporte quand même à ma mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il en met du temps. Le soleil va bientôt se lever. Je ne peux pas rester ici indéfiniment, mais qu'est-ce qu'il fait au fond de cette grotte? Je me suis quand même pas trompé, il avait l'air assez malin, ce serait vraiment trop bête. Maître, ça y est, j'ai trouvé. Ah, parfait, parfait.
Ah, tu es un brave garçon. Passe-moi la lampe que je t'ai demandé de trouver et je t'aiderai à chanter. Vous voulez que je vous passe la lampe ? Allons ! Dépêche-toi, donne-moi cette lampe. La lampe ? Non, aidez-moi d'abord à sortir de cette grotte. Non, il faut d'abord que tu me donnes la lampe. Je t'aiderai à sortir après. Dépêche-toi, mon garçon, perds du temps. Je ne vous donnerai pas la lampe avant d'être sorti de ce trou. Qu'est-ce que tu dis ? Je me contrefiche que tu sortes ou pas de ce trou. Tout ce que je veux, c'est cette lampe et je l'aurai. Ah bon ? Je suis pas idiot. Je ne vous donnerai jamais cette lampe. Tant pis pour vous. Crénom d'un chameau. Si tu ne me donnes pas cette lampe, je te laisse au fond de cette grotte et tu n'en sortiras jamais. Non ! Arrêtez ! Ton châtiment pour m'avoir désobéi. Cela faisait des années que j'attendais le moment d'avoir cette lampe. Attendez ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Ce magicien de malheur. Oh, ce n'est pas possible. Il y a sûrement un autre moyen de sortir d'ici. Jamais. Oh. Génie de l'anneau et l'esclave de celui qui porte cet anneau. Aidez-moi. Bien sûr, j'obéis aux ordres de mon maître. Prêt. Dis-moi, ô maître vénéré, y a-t-il d'autres souhaits que tu désirerais voir exaucés ? Tu as dit, maître, tu me parles ? Mais bien sûr, tu es mon maître. Et moi, je suis l'esclave de l'anneau et par conséquent l'esclave de celui qui le porte à son doigt. Oh. Oh. Alors, tu peux sans doute m'aider à sortir de cette grotte ? Mais je suis là pour exaucer tes vœux, maître. Mais tu peux vraiment me sortir d'ici ? Il te suffit de fermer les yeux quelques secondes, ô maître vénéré. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux de nouveau, ô maître vénéré. Oh, je suis sorti. Je suis sorti. Sauvé. 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 Le bon génie a déjà disparu. Bon, tant pis. Enfin. Maintenant, faut rentrer.
Maman doit commencer à s'inquiéter. Merveilleux d'être vivant. Si j'étais mort dans cette grotte, je serais passé à côté de mille choses fantastiques. Maintenant, je vais mordre la vie à pleines dents. C'est moi. Mais où est-ce que tu étais encore passé? Le soleil va bientôt se lever. J'étais dans le désert. Dans le désert? Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais pour l'instant, je meurs de faim. Oh. Et j'étais debout dans cette grande grotte. Et puis tout à coup, le géant a disparu. Bien sûr, mon chéri, ton histoire est tout à fait normale. Oh, maman, je sommeille. Tu voulais me parler? Aladdin, tu viens plus jamais nous voir. Qu'est-ce qui se passe? T'as des ennuis? Oh non, j'ai pas d'ennuis. Mais j'en ai assez de me tourner les pouces et de traîner dans les rues toute la journée. T'en as assez d'être avec nous, c'est ça? Et on peut savoir pourquoi tu dis ça? Ça t'est venu comme un bouton? Je sais pas trop pourquoi ça m'est venu à l'idée. Disons que j'ai envie de faire quelque chose de valable, qui donne un sens à ma vie. Où as-tu lu une phrase comme ça dans un conte de fées? Si on l'a bien compris, tu n'as plus envie de passer ton temps avec nous maintenant, c'est ça? Ah, c'est ça. Mon petit Aladdin, j'aime pas les crâneurs, je vais te donner une bonne leçon. Je t'attends. T'es content? Qui aime bien, se tient bien. Tu connais le proverbe, je parie. Maman, je suis rentrée. T'es là, maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Aladdin! On m'a dit aujourd'hui qu'on allait diminuer mon salaire de moitié alors que le prix des fruits et du pain a augmenté. Je ne sais pas trop comment on pourra acheter de quoi manger demain. Maman, c'est pas la peine de t'inquiéter. Je commencerai à travailler dès demain matin. Oh,
Bon, maintenant, on passe à table. Mais mon pauvre chéri, je n'ai pas d'argent. Oh, mais j'ai drôlement faim, moi. Attends, maman, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as fait de la lampe? On peut essayer de la vendre. Oh, regarde. Oh, elle est vraiment couverte de poussière, hein. Je suis l'esclave de la lampe et de celui à qui elle appartient. Que désires-tu, ô maître vénéré? Il te suffit de commander et j'obéis. Tu as dit maître? Tu es le génie de la lampe. Je veux manger quelque chose, ce qu'il y a de meilleur dans le pays. J'ai entendu, ô maître vénéré, et je t'obéis. Voilà ton dîner, ô maître vénéré. Que tu désires. Est-ce que tu souhaites autre chose pour l'instant, ô maître vénéré? Non, merci. Alors dans ce cas, je te quitte, ô maître vénéré. Oh, oh. Maman! Maman! Réveille-toi! Réveille-toi! Regarde, tu as vu, maman? Regarde tout ce qu'il y a à manger. Oh. Ah, ah, youpi. Ah, c'est formidable, on est sauvés, maman. On est sauvés. Oh, à table. Pas si vite, voyons, mon chéri. Tu sais bien que la nourriture ne s'envolera pas. Mais oui, je sais. Mais la souris aussi mange très vite. Oh, je peux plus rien avaler. J'ai l'impression que je vais éclater. Oh, moi non plus, je n'ai plus faim. Oh. Maman, regarde. Il nous a apporté un plat en or. Et celui-là. Oh, et celui-là aussi. Ils sont tous en or. C'est merveilleux, tu te rends compte? Oh. Aladdin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus voir ce géant. Il est beaucoup trop monstrueux. Je crois que si je le revois, mon cœur ne supportera pas le choc. Alors, à moins de courir un danger terrible, n'appelle pas ce génie à ton aide. Essaie de te débrouiller tout seul. Tu es assez grand. Oui, maman, j'essaierai. Ben, combien tu en veux, mon garçon? Vous connaissez parfaitement sa valeur. Dites un prix, je vous fais confiance. Non, dans ce cas, je te fais réaliser une affaire. Que dis-tu de la pièce d'or? D'accord. Qu'est-ce que vous dites? La princesse a disparu. Retrouvez-la immédiatement.
Une, deux, trois, quatre. Oh, oh non, regardez où vous marchez, mes pièces. Une, deux, trois, quatre. Et vous trouvez ça drôle? Oh, oh. Ah, je suis désolée, mais vous faisiez une de ces têtes. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Excusez-moi, mais je vous avais jamais vue. Vous n'êtes pas de ce quartier. Je m'appelle Badral Budur. Badral? Princesse Badral. Oh, faut pas qu'elle me voie. Ah, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Chut. Princesse Badral! Vous l'avez aperçue? Cette princesse commence à m'énerver sérieusement. Je me demande comment je peux la supporter. Toi, tu n'as pas aperçu la princesse par hasard? Qui? Tu comprends pas ce que je te dis? Bon, faut continuer à la chercher. Viens. Je l'ai échappé belle. Merci de tout mon cœur. Bon, vous venez avec moi? Et voilà un numéro que j'ai effectué à la cour. Attention! On va par là. Bien sûr. Enfin, princesse. Il faut rentrer au palais. Je suis certain que votre père est fou d'inquiétude. Venez, princesse, il vaut mieux rentrer très vite. Je vous en prie. Vous voulez bien rentrer au palais avec nous, princesse? Au revoir, Aladdin. C'était merveilleux. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? Il est calmé. On peut rentrer maintenant. Au revoir, Aladdin. Le mariage? Mais c'est complètement ridicule. Tu sais bien que c'est impossible, voyons. Mais non, ce n'est pas ridicule. Je vais demander de l'aide au génie de la lampe. Et pourquoi veux-tu épouser la fille du roi? Tu me fais peur, Aladdin. Maman, je t'assure que c'est sérieux. Je vais épouser la princesse. Je vais te prouver que tu es bête comme tes pieds. J'irai au palais demain matin. Oh, je dois le reconnaître, j'en ai rarement vu d'aussi beau. Et maintenant, dis-moi pourquoi tu as demandé à me voir. Eh bien, voilà. Dis-moi ce que tu as à dire, tu n'as rien à craindre. Oh, eh bien, en fait, mon fils Aladdin voudrait épouser la princesse. Quoi? Tu crois que ton fils pourrait épouser ma fille? Oh. Mmh. Voilà.
Ah, mais je n'ai jamais entendu une requête aussi étonnante. Très bien, j'accepte d'offrir à ton fils une chance d'épouser ma fille. Mais, Majesté... C'est ce que je viens de décider, grand vizir. Celui qui m'apportera la dot la plus fabuleuse pourra épouser la princesse. Majesté, vous avez déjà donné la main de la princesse à mon fils. Je prendrai ma décision quand j'aurai comparé les dots. Inutile d'insister. A apporté des présents fabuleux. Ce jeune garçon Aladdin, aux origines douteuses, ne pourra certainement pas soutenir la comparaison. Grand vizir, vous avez bien dit que le jeune garçon s'appelait Aladdin ? Oui, princesse, c'est ça. C'est un jeune vaurien qui traîne dans les rues, en effet. Oh, c'est bien Aladdin. Oh, regardez. Oh là là. Oh. Magnifique. Laisse-moi voir. C'est Aladdin. C'est lui. Aladdin. Épouser la princesse. Oh. Vizir, je vous arrête ainsi que votre fils pour escroquerie, sur ordre de sa majesté. Alors, mon gendre, est-ce que tu as déjà fait des projets pour votre future résidence? Oh, majesté, si vous m'en donnez l'autorisation, j'aimerais faire construire un palais à proximité du vôtre. Je suis prêt à te donner toutes les autorisations que tu solliciteras, mais la construction d'un palais demandera des années. D'ici là, tu peux vivre avec la princesse dans mon palais. À mes côtés. Ah, merci. Ah oui, je vous remercie beaucoup, Majesté. Mais mon palais sera certainement terminé avant le lever du soleil demain matin. Et quoi? Tu feras construire un palais en 24 heures? Ce n'est pas possible. Aladdin. Mais si. Oh, je vois avec plaisir que mon gendre a le sens de la plaisanterie. Il a sans doute trop bu au cours du repas. Génie de la lampe, je fais appel à tes services. Souverain vénéré, je vous en supplie, réveillez-vous. Mais comment oses-tu venir m'importuner alors que le soleil vient de se lever? Regardez par la fenêtre. Non.
Oh, c'est pas possible. Je rêve. Il a réussi à construire un palais fabuleux en une nuit. Je vous l'avais dit. Aladdin, il est magnifique. Mais je l'espère bien, et il est à toi. Quoi ? Crénom d'un chameau dégénéré. Aladdin n'est pas mort au fond de cette grotte ? Dégagez ! Ah non, dégagez de la salle ! Sa Majesté et le prince Aladdin vont à la chasse ! Lampe contre une vieille. J'échange vos lampes vieilles et sales contre des neuves. Prenez la lampe de votre choix en échange d'une vieille lampe dont vous ne vous servez plus. Échangez votre vieille lampe contre une neuve. Oh, c'est amusant comme métier. Ah tiens, à propos, j'ai vu une vieille lampe dans la chambre d'Aladin. Merci, jolie princesse, merci. Excusez-moi, vous échangez cette vieille lampe contre une neuve? Mais bien sûr, voyons une petite seconde, s'il vous plaît, je suis là pour ça. Et voilà, cela vous satisfait? Oh, elle est très belle, merci beaucoup. J'ai réussi. J'ai réussi. La lampe est à moi. Bon génie de la lampe, je fais appel à tes services. Je suis l'esclave de la lampe et de celui à qui elle appartient, ô maître vénéré. Le palais fabuleux que tu viens de construire pour le prince Aladdin, je veux que tu le transportes immédiatement chez moi. Je suis à ton service, ô maître vénéré. Palais a disparu. Et la princesse a disparu elle aussi, Majesté. Aladdin, qu'on m'amène Aladdin tout de suite. Prince Aladdin, le sultan demande à te voir tout de suite. Oh, la princesse a disparu. Je t'en prie, ne prétends pas que tu l'ignores. Tu dois savoir où elle est. Dis-moi la vérité immédiatement ou je te fais trancher la tête. Oh, attendez, attendez, accordez-moi 3 jours. Dans 3 jours, je vous ramène la princesse. Dans 3 jours? Bon, très bien, je veux bien t'accorder 3 jours, mais je te préviens, tu dois ramener la princesse dans ce palais. En attendant, je garde tes amis en otage. Mouvant. Il ne me reste plus rien. Ni eau, ni nourriture, ni chameau. Je ne peux plus traverser le désert. La bague! Que je suis bête, il me reste la bague! Génie de la bague, je fais appel à toi. Je suis l'esclave de la bague et de celui qui la porte. Je t'écoute, ô maître vénéré. Il faut que tu fasses revenir mon palais et ma femme. Je ne peux pas défaire le travail de l'esclave de la lampe, mais je peux te conduire à l'endroit où vit la princesse maintenant.
vitesse. Maître, accroche-toi bien. Quelque chose semble s'opposer à mon pouvoir magique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus voler. Aladdin, ne m'abandonne pas. Alors, ma jolie princesse, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir le grand bonheur de vous entendre dire que vous allez m'épouser? Aladdin est mort. Il est mort? Un horrible malheur, je l'ai aperçu il y a quelques secondes, qui tombait du ciel au beau milieu du désert. C'est pas vrai, vous mentez. Aladdin est toujours vivant. Je ne me permettrai pas de vous mentir. Aladdin est mort, il ne reviendra plus jamais. Inutile de rêver d'un fantôme, jolie princesse. Dites-moi que vous acceptez de m'épouser. Oh, ça, non, jamais. La bague est cassée. Petite souris, tu m'entends? Petite souris, tu m'entends? Réponds-moi, allons. C'est pas possible. Elle est morte. Oh, ce que tu m'as fait peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché ou quoi? Badral, maman. Aladdin, tu es vivant, tu es vivant. Je suis venue te chercher. Aladdin. Le vieux magicien se promène partout avec cette lampe à huile. Elle ne le quitte jamais. Mais c'est ça. Il doit certainement y avoir un moyen de l'obliger à s'en séparer. Si tu veux me laisser faire, moi je crois que j'en connais, hein. C'est quand même malheureux. Tous les pouvoirs magiques de cette lampe ne peuvent pas influencer le cœur d'une jeune fille et l'obliger à m'aimer. Silence! Qui ça peut bien être à cette heure? Adudabra, batadodra, drambadabra, dibadabra, badabra. Oh, c'est la princesse. Mais je vous en prie, princesse, entrez, vous êtes chez vous. Allons, veuillez faire un pas. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir dans cet humble palais, indigne de votre beauté. Princesse, je serais le plus heureux des hommes si vous consentiez à devenir ma femme. Je pense que c'est pour cette raison que vous êtes là ce soir. Oui. Parce que vous êtes enfin décidée, vous allez me dire oui. Oh, mais c'est merveilleux, vous me comblez. Tout sans doute, mais... Mais que voulez-vous? Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. Alors, je voudrais savoir ce que vous cachez continuellement sous votre manteau. Vous semblez lui accorder plus de valeur qu'à moi.
À vrai dire, c'est... Vous ne voulez pas me le montrer? Ce n'est pas que je ne veux pas vous le montrer, mais voyez-vous... Alors, je veux le voir tout de suite. Finalement, vous êtes décevant. Vous ne m'aimez donc pas? Attendez, je vais vous le montrer. Ah, vraiment? Tenez, c'est ça, c'est cette... Princesse! Oh! Aladdin! Aladdin! Je me suis fait berner par une femme, je ne te le pardonnerai jamais! Oh! Aladdin, où es-tu? Aladdin! Elle appelle Aladdin. Mais je t'ai dit qu'il était mort. Tapis volant! Aladdin est toujours vivant. Crainon d'un chameau, tu ne m'échapperas pas, petit vaurien. Allez, magique, à toi de jouer. Oh. Aladdin, attends. Attention, baisse-toi vite. Oh. Ils ne peuvent rien contre mon pouvoir magique, ils ne s'échapperont jamais d'ici, j'en fous. Cette fois, vous êtes perdus, rendez-vous. Montez. La lampe. Vite, Aladdin, vite. Arrêtez. Je vous donne l'ordre de vous arrêter. Oh.
chameau, vous ne pouvez pas vous échapper. On ne pourra jamais sortir d'ici. Oh, l'oiseau! Il faut s'accrocher à cet oiseau. C'est notre seul espoir de sortir de là. Attention! Saute! Je glisse, je glisse! Non! Accroche-toi! Maintenant, on peut rentrer chez nous. Tout le monde nous attend.